Et bonjour tout le monde, c'est Tepsado. Et voici pour jouer à Super Dunk Punch. Super Dunk Punch. Un jeu où tu as qui est une édition Chevan. Ah non, non. Qui a été fait le 22 mars 2013 par JMTB 02 et Jimp. Voilà. Et donc c'est parti pour jouer à ce jeu très sympathique. Et donc Super Dunk Punch, let's go. Oh tiens, c'est rigolo, ils te mettent un... Ils ont fait de la pub avec une Battle Fantasy 4. C'est super mignon. Surtout que j'adore le jeu avec une Battle Fantasy 4 aussi. Non, c'est pas l'un des meilleurs RPG non plus, mais c'est un RPG que je sais apprécier. Mais c'est pas l'un des meilleurs... non, d'accord, enfin, exagéré. Ah là là, des épines Battle Fantasy. Est-ce que tu voudrais plutôt combattre son cheval de la taille d'un canard ou un canard de la taille d'un cheval? Eh ben, un canard de la taille d'un cheval. Je dois donc défaire un canard de la taille d'un cheval. Et donc la musique épique commence. ZXC pour combattre. Ninja plus rapide que les points mais font moins de dégâts. Et donner des coups de pied vont protéger les ennemis derrière. En avant. Et donc, avec cette victoire éclatante, nous obtenons des pièces que nous pouvons dépenser pour avoir des soins en plus dans la résurrection, des navires en plus au plus d'attaque. Donc on va prendre ceci et ceci. Comme nous sommes sur Congrégate, on est récompensé par apparemment de votre survie, des dégâts en plus. Et des batailles contre des girafes. Allez en avant, ramène la lourdeur. Maintenant, nous allons combattre 50 inters de la taille de la taille d'inter ou un inter de la taille d'hypo. Et bien, on va prendre la manière dure 50 hypo à la taille d'un. Comme vous pouvez le voir, se combattre des petits animaux, c'est un défi bien plus grand que de combattre un seul animal puissant. Donc nous allons augmenter notre attaque une fois de plus et en avant. Ah, ça y est, on commence à avoir des idents. Une girafe avec une tête druide ou une hydre avec des têtes de girafe. J'ai envie de dire plus de têtes. Thank you.
pouvez donc, quand vous perdez, vous récupérez. Vous pouvez vous soigner un petit peu et récupérer un peu de vie. Et maintenant, ça y est, nous avons désormais toutes les listes de défis. Et évidemment, vous devrez faire tout ça si vous voulez gagner. Pour voir le niveau de difficulté que ça atteint, on va aller dans le Battle Set des Leaders. 6 têtes à faire tomber. On a. Bon, on a eu la moitié. Hop. Mais on peut encore. Hop. Mais on peut encore. Et voilà. Les hydres sont tombées. Mais bon, qu'est-ce qui se passe si on décide de se faire qu'un girafe? Comme vous pouvez le voir, les girafes sont pas très naturelles. Et c'est très rapidement des viols. Et c'est le point faible de ce jeu, c'est que parfois vous pouvez très facilement vous faire stun knock. Vous pouvez aussi très facilement avoir quelques petits bugs de ce type là. Et voilà. C'est pour ça que avoir des 22 défis, c'était un putain de channel des défis. Justement à cause de ça. On va essayer de revivre jusqu'à. Maintenant, on va dire, ça sert à dire, si t'avais qu'un girafe par ici qui t'en foutait dessus, tu aurais sûrement jamais le temps de te relever. Bon, évidemment, t'as un nombre limité de résurrection. Et voilà, c'était TestJo qui vous a fait cette représentation très rapide de Super Dog Punch fait par JMTB02 et Jimp. Je vous dis donc salutations à tous et à la prochaine. Salut!